Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabba, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabba fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabba ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Favorablement ma reconnaissance, reçois favorablement ma reconnaissance, ô Dieu. Alléluia, nous te rendons gloire.
les bienfaits de Dieu dans sa vie n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles dans nos vies. Oui, nul n'est comparable à toi. Oh Jésus, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh mon Jésus, nul n'est comparable à toi. Oh, de tout nos cœurs, est-ce qu'on peut le dire encore? C'est la reconnaissance d'un cœur qui réalise encore les bontés de ce Dieu-là. Oui, tu peux continuer de chanter. Oh, en regardant, en contemplant les bienfaits de ce Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se souvenir depuis le mois de janvier, alors que nous sommes en cette semaine de prière pour nos familles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se souvenir lorsqu'il regarde aux bienfaits de ce Dieu dans sa famille? Tu regardes depuis le mois de janvier, de tous ces enseignements que nous avons reçus. Oh, des miracles que le Seigneur a opérés dans ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant ce matin qui regarde en arrière et qui dit: oui, c'est que ma famille, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. C'est que ma famille, ce n'est que par ta grâce. C'est que je suis, oh Dieu de gloire. Ce que je deviens, c'est par ta grâce. Oh, la connaissance que j'ai désormais, la vision que j'ai désormais de ma famille, la vision que j'ai désormais de ma future famille, ce n'est rien d'autre que par la grâce du Seigneur. Oh, toi qui as inspiré cette belle œuvre. Oui, Seigneur, nous croyons que tu parfais cette œuvre et tu es en train de la mener jusqu'au bout. Oui, tu l'amèneras jusqu'au bout. Raison pour laquelle en ce matin, par anticipation, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais dans ma famille, de cette merveilleuse œuvre que tu as accomplie, Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant qui peut se souvenir et dire: oui, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends des excellentes actions de grâce. Oh, Jésus. Oh, oui, Jésus, nous te rendons gloire. Ma bouche peut le chanter. Oh oui, je le dis, nul n'est comparable à toi. Oui, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh oui, nul n'est comparable à toi. Est-ce qu'il y a un adorateur juste pendant quelques minutes qui peut juste élever sa voix et contempler l'agneau de Dieu? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut encore regarder à tous ses bienfaits et dire: Seigneur, je te loue, je te loue, Seigneur, de ce que tu es merveilleux. Oh, tu ne fais pas toutes ces choses pour démontrer que tu es merveilleux. Non, tu es merveilleux de par ta nature. Tu es fidèle de par ta nature. Tu ne m'éprouves pas en faisant toutes ces choses. Tu ne veux pas, Seigneur Dieu, me démontrer que tu es fidèle parce que tu le fais. Non, de par ta nature, tu es fidèle. Voilà pourquoi ce matin, je te contemple. Je contemple tes bontés. Je contemple ta nature qui est parfaite.
Je contemple ta nature qui est bonne, ô Dieu, et parfaite. Oui, tu es fidèle. Tout en toi est parfait, Jésus. Tout en toi est parfait, Jésus. Tout en toi est parfait, parce que tu es parfait, tout ce que tu fais est parfait. Même si maintenant je ne vois pas de mes yeux, même si jusqu'à présent l'œuvre que tu accomplis dans ma famille, ô Dieu, ne semble pas ou ressembler à grand chose, mais parce que tout ce que tu fais est parfait, je peux le déclarer, oui, tu es bon, merveilleux et fidèle, Seigneur. Parfait tu es, Jésus. Oui, tu es saint, Seigneur. Donc ce matin, je contemple ta grandeur, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que je m'approche de toi. Oh, c'est avec un cœur reconnaissant que je m'approche de toi et te dire que tu es digne. Tu es digne, oh Dieu, pas parce que tu fais, je le redis encore, pas parce que tu me donnes des choses, pas parce que tu accomplis quelque chose de merveilleux. Seigneur, ce n'est pas en faisant que tu me démontres que tu es fidèle, non. Tu l'es de par ta nature. C'est inclus en toi, Seigneur. Cela démontre encore ta nature sainte. Oh oui, je célèbre ta magnificence, Seigneur. Je célèbre ta bonté, Seigneur. Je célèbre ton amour. Je célèbre ta fidélité. Je célèbre ta reconnaissance. Je célèbre, oh Dieu de gloire, ta grandeur. Oh oui, reçois favorablement ma reconnaissance, Jésus. Reçois favorablement ma reconnaissance. Oh, adore-le encore. Ne te lasse pas de l'adorer juste pendant 3 minutes. Est-ce que tu peux encore lui dire ces belles paroles qui bouillonnent dans ton cœur? Oui, le psalmiste dit des paroles pleines de charme bouillantes dans mon cœur. Est-ce qu'il y a des paroles en ce matin qui peuvent encore bouillonner au regard des œuvres de ce Dieu dans ta famille? Au regard depuis janvier, ces sujets que tu as depuis des années pour les saluts des membres de ta famille, regarde depuis janvier ce qu'il a fait. Certainement quand cette année il a exaucé ne fût-ce qu'à un seul sujet. Certainement que dans ta famille tu as connu la restauration. Certainement que dans ta famille tu as reconnu, tu as vu la main de Dieu. Tu as vu le salut entrer dans ta famille. Tu as vu la restauration, tu as vu la guérison des cœurs brisés. Tu as vu le Seigneur toucher les cœurs. Tu as vu le Seigneur restaurer cette relation entre parents-enfants qui était brisée. Tu as vu le Seigneur restaurer cette communion qui était certainement brisée dans ta famille. Tu as vu le Seigneur restaurer ou même augmenter l'amour qu'il y avait dans ta famille. Peut-être que toi, de ton côté, tout était bien. Mais tu as vu la main du Seigneur encore venir solidifier cette communion qu'il y avait au milieu de vous. Tu peux le bénir pour cela. Tu peux le bénir pour cela. Oh, en ce mois, nous rendons des excellentes actions de grâce à ces dieux. Oh, regarde tous ces bienfaits. Ah, Jésus. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Chatalaya Menebouche. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Oh, Jésus. Chaque instant que de leur fidèle, chaque jour tu es si bon pour moi, donc il y a la vie dans ce corps mortel, je chante. L'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue rend des excellentes actions de grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, au-delà des mots, avec ton intelligence, tu te rends compte que les bienfaits de Dieu dépassent tellement ton intelligence, tu ne sais pas comment exprimer cela. Tu peux librement parler en langue parce que tu rends des excellentes actions de grâce en le faisant. Tu
tu rends des excellentes actions de grâce avec ta langue intelligible. Peut-être que tu es limité, tu ne sais plus comment le dire, comment l'exprimer. Alors sens-toi libre dans la présence de ton Père à exprimer, à t'exprimer par cette langue en lui rendant des excellentes actions de grâce, parce que tu ne parles pas à un homme, mais tu parles à Dieu qui t'écoute dans ce lieu secret où tu es, dans ta chambre où tu es, alléluia, dans ton salon où tu es. Je ne sais pas quelle position que tu as, c'est à ton Père que tu parles et tu lui rends des excellentes actions de grâce. Oh, chaque instant Dieu demeure fidèle. Oh, 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 chaque jour tu es si bon pour moi. Donc il y a la vie dans ce corps. Nos yeux dans ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je prie que tu parles encore à un cœur, Seigneur, au travers de cette exhortation, que tu puisses encore parler à un cœur en ce matin, alors que nous sommes en cette semaine où nous te rendons des excellentes actions de grâce au regard de tout ce que tu as fait pour nous depuis janvier, au regard de tout ce que nous avons reçu comme anciennement, au-delà, au regard de tout ce que tu as pu accomplir dans nos familles, même si nous n'avons rien vu de concret, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, par antipas, par nos actions de grâce, ô Dieu de gloire, nous nous réjouissons en espérance, comme nous dit Romains 12. Nous nous réjouissons en espérance, oui, parce que lorsque nous le faisons, Seigneur, nous anticipons des miracles qui viendront par la suite. Nous anticipons, ô Dieu de gloire, les merveilleuses choses que tu accompliras dans nos vies, dans nos familles, dans nos futures familles, ô Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, dans le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Shalom, frères et sœurs, à ceux qui nous rejoignent. Comme je le disais dans ma prière, nous sommes en cette semaine de prière où nous prions pour nos familles. Nous avons pris cette habitude depuis le début de cette année 2023 de consacrer toute une semaine où nous dévançons l'aurore et nous prions pour nos familles. Et quand suite aux différents enseignements que nous avons reçus chaque vendredi sur ma famille pour un but et pour la gloire de Dieu. Précisément pour ce mois, nous n'allons rien demander, nous n'allons pas supplier Dieu pour quelque chose, mais nous allons nous focaliser sur ce que Dieu a fait et nous allons lui rendre des actions de grâce par rapport à tout ce qu'il a fait. Je crois que d'une façon ou d'une autre, si nous regardons bien, nous nous posons, nous essayons de nous souvenir, comme il est écrit dans la Bible, il est dit « Souviens-toi ». Si nous essayons de regarder en arrière depuis janvier, certainement quelque part, Dieu a fait quelque chose. Ne fût-ce que même pour les enseignements que nous avons reçus, je crois que le Seigneur a fait quelque chose, car il est écrit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Au travers de toutes ces paroles que nous avons reçues, de tous ces enseignements que nous avons reçus, nous croyons fermement que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans nos familles. Même si nous n'avons pas touché, même si cela n'est pas encore palpable, mais dans le monde spirituel, quelque chose est en train d'être fait. Alléluia. Je nous inviterai à ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est un texte que nous connaissons. 1 Thessaloniciens, je nous propose trois portions des Écritures. Le premier, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Je veux lire. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je veux le dire encore. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Le deuxième texte, je le disais tantôt, je l'ai mentionné tantôt dans ma prière, c'est Romains, le chapitre 12, le verset 12. On va juste lire la partie, la première phrase. Romains chapitre 12, le verset 12 qui dit « Rejouissez-vous en espérance. » Juste cette phrase-là qui nous intéresse. « Rejouissez-vous en espérance. » Et le dernier texte que je nous propose, c'est Hébreux 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36 qui dit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez
ce qui vous est promis. Je veux le dire, je veux le relire encore. Tu peux souligner ce texte dans ta Bible. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Je le disais tantôt, cette semaine particulièrement, nous allons rendre des excellentes actions de grâce à notre Dieu. Au regard de tout ce qu'il a fait, nous croyons qu'il en est digne de recevoir cela. Amen. Il en est véritablement digne. Et étant donné qu'il est question des actions de grâce, on définit les actions de grâce comme étant, ou l'action de grâce, on les définit comme étant un remerciement, une reconnaissance. Et l'action de grâce ou le sacrifice de communion, nous dit dans, comme il est précisé dans l'Ancien Testament, l'action de grâce ou les sacrifices de communion, c'est exprimer sa reconnaissance, un vœu, un sacrifice volontaire. Cela représente également la communion entre Dieu et l'homme. Lorsque nous lisons, nous nous rendons compte que l'action de grâce ou le sacrifice de communion, c'est exprimer sa reconnaissance, un vœu, un sacrifice volontaire, c'est-à-dire c'est de ma propre volonté. Je le fais proprement, de par ma propre volonté. Et cela représente la communion qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et nous pouvons trouver cela dans Lévitique 3, le chapitre 3, 1, 17. On ne va pas lire cela, mais vous pouvez les noter. Lévitique, chapitre 3, de 1 à 17. Dans Lévitique 7 également, le verset 11. Dans Lévitique 19, dans Lévitique 22 également, on peut trouver cela. Que les actions de grâce, c'est un sacrifice de communion. Et ça représente la communion qu'entretient l'homme et son Dieu. Et depuis l'Ancien Testament, les actions de grâce se faisaient également. Les actions de grâce se faisaient depuis l'Ancien Testament. Comme je le disais tantôt, on le trouve dans Lévitique. Et rapidement, avant que l'on ne replonge nos regards, nos yeux dans la prière, je vais nous proposer juste trois bonnes raisons. Pour le pourquoi nous devons rendre des excellentes actions de grâce. Je vais nous proposer quelques raisons de rendre des excellentes actions de grâce ou encore les bénéfices qui sont attachés aux actions de grâce. Je vais nous proposer trois et par la suite, nous allons prier. La première chose que j'ai notée de par le texte que nous avons lu, c'est que rendre des actions de grâce, c'est un commandement. C'est un impératif divin. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce. Le verbe rendre qui est utilisé là, il est à l'impératif. Rendez, c'est un commandement. Rendez des excellentes actions de grâce. C'est un commandement pour nous de le faire. C'est une obligation, permettez-moi de le dire ainsi. C'est un impératif divin, c'est un commandement divin de rendre des excellentes actions de grâce. Il est impératif pour nous de rendre des grâces en toutes choses, comme le dit le texte. En d'autres termes, rendre grâce à Dieu est une obligation parce qu'une bénédiction y est attachée. Lorsque je rends des excellentes actions de grâce, je le fais au-delà du fait que je dois le faire, mais je le fais parce que d'abord c'est un impératif, c'est un commandement divin. C'est un commandement, je le fais étant un commandement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée. Dieu ne va jamais nous exiger de faire quelque chose si cette chose au préalable nous fera perdre du temps. Si Dieu nous exige de lui rendre des excellentes actions de grâce, c'est parce qu'il sait au préalable qu'il y a quelque chose qui nous est bénéfique, qui est caché derrière. S'il nous demande, il nous oblige, permettez-moi de le dire ainsi, s'il nous recommande, il nous commande de le faire, c'est parce qu'il sait au préalable qu'il y a une bénédiction qui nous est bénéfique, qui est attachée derrière cette action de grâce. Nous, peut-être qu'on ne va pas le voir, mais s'il nous demande de le faire, c'est parce que lui sait qu'en le faisant, il y a quelque chose qui nous est nécessaire par rapport à un sujet bien précis, par rapport à un problème, par rapport à une situation bien précise. Donc, lorsque Dieu nous demande de rendre des actions de grâce, lorsqu'il nous oblige, lorsqu'il nous commande de le faire, lorsque nous nous rendons compte que c'est un impératif, c'est parce qu'au préalable, il y a un bénéfice qui est attaché. Pour nous faire du bien, vous allez vous rendre compte que Dieu, pour nous faire du bien, il a besoin de notre participation. Vous vous rendrez compte que Dieu avec l'humain, c'est deux êtres qui sont inséparables. Dieu aura toujours besoin de l'homme. Même pour nous faire du bien, Dieu passera toujours par un homme. Étant donné qu'il est conscient de cela, l'action de grâce est un moyen pour nous faire du bien. Voilà pourquoi il nous demande de le faire, parce que nous sommes dans l'action pour qu'il puisse nous faire du bien. Dieu a besoin de notre participation. C'est la raison pour laquelle il nous commande de le faire. Il nous commande de lui rendre des actions de grâce. Parce que derrière une recommandation divine se cache toujours une réalité spirituelle que nous ignorons.
derrière une recommandation divine, derrière une exigence spirituelle, derrière une exigence divine, il y a une bénédiction, une réalité spirituelle qui se cache pour notre bien. Raison pour laquelle nous devons poser cette action pour permettre à ce que nous, au travers de nos actions de grâce, que cette réalité qui est spirituelle puisse se manifester dans nos vies. Ça ne va peut-être pas être palpable tout de suite, mais en le faisant, quelque chose va se créer. Alléluia. La deuxième chose que j'ai pu noter, c'est que rendre des excellentes actions de grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Le texte le dit clairement, c'est lisible. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En d'autres termes, rendre des actions de grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions lui rendre des actions de grâce. Je le disais dans la première raison que je donnais. Dieu veut nous faire du bien, mais il a besoin de notre participation. Il veut que nous soyons participation dans ce qu'il va faire pour nous de bien. Raison pour laquelle l'action de grâce ou les actions de grâce sont un moyen pour Dieu de passer également pour nous faire du bien. C'est sa volonté pour nous. Il veut que nous puissions lui rendre Dieu les actions de grâce. Dieu a une volonté pour nous et les actions de grâce font partie des volontés de Dieu pour nous. Et puisque c'est une volonté de Dieu pour nous, cela implique une réponse de notre part. Et ça se résume en un seul mot, l'obéissance. Parce que c'est une volonté, nous, par notre action, nous devons obéir à cette volonté. Oubliez-vous que c'est un impératif, c'est un commandement, c'est un verbe d'action. On doit le manifester. Puisque c'est un impératif, nous devons obéir à ce commandement divin. Si nous ne manifestons pas l'obéissance, nous allons passer à côté de quelque chose que le Seigneur peut faire pour nous. Nous devons obéir à cela. En d'autres termes, à chaque fois que je ne rends pas à Dieu des actions de grâce, je ne marche pas dans sa volonté. Je ne marche pas dans sa volonté. Et notre obéissance doit se manifester par l'action de grâce. Lorsque je manifeste cela, en d'autres termes, j'obéis à la volonté du Seigneur. Le texte que nous avons lu tantôt de Hébreux 10, 36 nous dit quoi? Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Juste la deuxième phrase dit quoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, il y a des promesses qui sont là. Certainement que depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu es là, peut-être que depuis janvier, tu assistes à ma famille pour un but, pour la gloire de Dieu. Tu as entendu toutes ces choses. Certainement que tu as des promesses de Dieu pour ta famille. Dieu t'a fait des promesses. Il y a une promesse qui nous est attachée dans le livre des Actes qui dit quoi? Crois-toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est une promesse qui nous a attachés. Peut-être que tu es le seul dans ta famille qui a accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Le reste ne marche pas en nouveauté de vie. Et le Seigneur t'a fait cette promesse. Crois-toi et ta famille. Peut-être que le Seigneur t'a fait tellement de familles, des promesses qu'il va restaurer ta famille, il va relever ta famille. Il va redynamiser ta famille. Il t'a fait peut-être beaucoup des promesses par rapport à tes enfants, par rapport peut-être à ton conjoint ou à ta conjointe, peut-être par rapport à l'avenir de tes enfants ou à tes parents, peu importe. Mais le Seigneur dit quoi? En obéissant à sa volonté, quoi? Vous obteniez ce qui vous a été promis. En d'autres termes, lorsque je rends des actions de grâce à Dieu, automatiquement, j'active les promesses de Dieu qui m'ont été faites, rien que par les actions de grâce. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 36. Afin qu'après avoir accompli, en d'autres termes, afin qu'après avoir rendu des excellentes actions de grâce à Dieu, étant donné que les actions de grâce sont une volonté de Dieu pour nous, donc je peux le dire ainsi, après avoir rendu des actions de grâce à Dieu, c'est quoi la suite? J'obtiendrai ce qui m'a été promis par rapport à ma famille, par rapport à ma vie. Amen. Donc en cette semaine, fais-le de tout ton cœur. Peut-être que tu n'as rien reçu depuis cette année. Peut-être que tu n'as rien vu de concret. Mais il est possible que par des actions de grâce, que le Seigneur, que le souvenir des promesses de Dieu soit activé, quelque chose se passe. Amen. En d'autres termes, derrière notre obéissance à la volonté de Dieu, il y a une récompense bien précise. Puisque je choisis de rendre grâce à Dieu, il y a une accélération dans l'accomplissement des promesses. Lorsque je fais le choix d'obéir à la voix, au commandement divin qui est de rendre grâce à Dieu,
il y a une accélération dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ma vie et pour ma famille. Alléluia. On peut nous afficher Romains 12, 12. Nous l'avons lu aussi tantôt, qui dit « Réjouissez-vous en espérance. » Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Lorsque je rends des actions de grâce à Dieu, même si ma famille vit le chaos, même si dans ma famille, il est décrit que on nous a surnommé de tous les noms, la famille des personnes qui prennent l'alcool, la famille des personnes qui vivent mal, ceci, cela. Même tant que moi, je sais que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je sais que j'obéis à sa volonté en lui rendant des excellentes actions de grâce, je change le langage, je change le langage dans le monde spirituel. Lorsque je lui rends grâce de Dieu, en dépit de tout ce que je peux voir dans ma vie, en dépit de tout ce que je peux voir dans ma famille, je prie depuis des années peut-être pour les saluts de mes parents, pour les saluts de mes frères et sœurs. J'ai prié peut-être pour que ma famille soit délivrée de la dépôt, de la débauche, de la débauche sexuelle, toutes ces choses-là. Lorsque je rends des actions de grâce à Dieu, en d'autres termes, j'accélère les promesses qui ont été faites à ma famille par les actions de grâce. Par les actions de grâce, le Seigneur peut délivrer un impudique. Donc, par les actions de grâce, le Seigneur peut restaurer une famille qui vivait le chaos. Et les actions de grâce font quoi? Je me réjouis en espérant de voir le Seigneur agir. Même si jusqu'à présent tout est chaotique, alors que je rends des actions de grâce, en d'autres termes, je dis au Seigneur, je sais que tu feras, voilà pourquoi maintenant je choisis de te rendre grâce. Je sais que tu feras, même si maintenant tout est chaos, même si maintenant je ne vois rien, parce que je sais que tu feras, alors je peux me réjouir en espérance. Je peux répéter ces paroles de cet homme de Dieu qui dit, célébrer, il faut avoir l'habitude de célébrer le miracle avant la venue du miracle. Je ne l'ai pas encore touché, je ne l'ai pas encore palpé, c'est ce que ce texte veut dire. Je n'ai pas encore vu le miracle, mais parce que je sais que Dieu fera, parce qu'il m'a déjà fait des promesses, alors je peux lui rendre des actions de grâce. Peut-être que lorsque tu as entendu l'annonce qu'en cette semaine on aura encore réunion de famille, tu t'es dit, ah Seigneur, depuis janvier on fait ces semaines de prière, peut-être que j'ai jeûné même à sec. Peut-être que je suis allé même au-delà des programmes, mais je n'ai encore rien vu dans ma famille. Bien-aimé, en ce matin, je viens te dire, réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi en espérance. Par les actions de grâce, tu actives, tu accélères le processus des promesses de Dieu dans ta vie par rapport à ta famille. Par les actions de grâce, tu accélères la récompense qui est attachée aux promesses de Dieu. Alléluia. Fais-le de tout ton cœur. Et ce que je dis, je peux l'appuyer par ce texte de Luc 17, 11 à 18, si on peut nous l'afficher. Nous connaissons ce texte, Luc chapitre 17, 11 à 18, on va le lire ensemble. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les dix n'ont pas-ils été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et vous vous rendrez compte que celui-là qui est revenu, c'était un Samaritain. Et nous tous, nous connaissons la relation qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs. Ils étaient malades. Ils voulaient voir un miracle dans leur vie. Ils ont rencontré Jésus. Jésus leur dit, allez vous présenter chez les Samaritains. Pendant qu'ils partaient, ils découvrent qu'ils étaient guéris. Il n'y a qu'un seul parmi dix qui est revenu, qui a rendu grâce à Dieu. Et lorsqu'on poursuit le texte, nous allons nous rendre compte que celui-là qui était revenu, au-delà de la guérison, il a même rencontré le salut. Parce que simplement, la Bible nous dit quoi? Il rendit grâce, il tomba face contre terre. Là même, on est dans une dimension d'adoration où il s'abandonne entièrement à Dieu. Simplement à cause de cette action-là, en dehors de la guérison, il a même rencontré le salut dans sa vie. Bien-aimé, par ce texte, je peux vraiment le dire ainsi. Lorsque nous rendons grâce, cela implique que Dieu a fait déjà.
que je ne le vois ou pas, Dieu a déjà fait. Ma célébration anticipe un embouteillage des miracles dans ma vie. Au-delà de ce que déjà le Seigneur peut faire, il peut occasionner même autre chose. Il peut occasionner la délivrance, le salut, la restauration, le relèvement, juste par mon action de grâce. Juste par mon action de grâce. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, cela implique que Dieu a déjà fait. Que je n'ai vu ou pas, Dieu a déjà fait. Moi, mon travail, c'est de quoi? C'est d'obéir simplement, de rendre grâce à Dieu. Et en le faisant, j'active encore d'autres bénédictions qui sont attachées par mon action. Et c'est ce qu'on a vu dans le texte que nous avons lu tantôt de Luc du 7. Au-delà de la guérison, il a vécu la main de Dieu. Il a rencontré, il a eu le salut, il a été sauvé. Que le Seigneur nous aide encore en ce matin à aller au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, à aller au-delà de ce que nous avons en panne, que nous n'avons pas encore vu dans nos familles. Même juste, je le disais en introduction, même juste à cause de l'enseignement que nous avons reçu, à cause de cette parole qui est envoyée, soyons-en sûrs qu'il y a un mouvement qui est en train d'être fait. Je n'ai peut-être pas encore vu, mais je reviens auprès du Seigneur et dire, Seigneur, je te rends grâce. Je n'ai peut-être pas encore vu, mais à cause de ce que tu fais dans le secret, dans l'invisible, moi je te bénis. Parce que par l'action de grâce, je rends l'invisible, je le transforme par le visible. Au nom de Jésus. Amen. Et la dernière action, ensuite on va prier. La dernière chose ou le dernier bénéfice ou la raison de rendre grâce à Dieu, c'est que les actions de grâce activent les bénéfices liés à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire à l'œuvre salvatrice. Je veux m'expliquer. Lorsque je lisais en introduction, je disais que les actions de grâce, ça faisait référence à la communion qu'entretenait entre Dieu et l'homme. Et on pouvait le voir dans Lévitique. Et à chaque offrande, dans l'Ancien Testament, on mentionne plusieurs offrandes, du moins plusieurs sacrifices qui sont dans Lévitique. On mentionne l'offrande d'expiation, de culpabilité, les holocaustes, l'action de grâce ou communion et l'offrande de fleurs de farine, 5 au total. Et chacune de ces offrandes illustre un certain aspect de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Parce que à chaque fois qu'à l'époque on apportait cette offrande-là, cette offrande était accompagnée d'un animal. On devait sacrifier un animal. Mais nous croyons, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous croyons que notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. Il a été crucifié à la croix pour nous. Nous n'avons plus besoin d'apporter quoi que ce soit. Et parce que je sais qu'il a été sacrifié à la croix pour nous, en le rendant des actions de grâce, lorsque je rends des excellentes actions de grâce à Dieu, en d'autres termes, j'active toutes les bénédictions qui sont liées à la croix. Parce que à la croix, à l'œuvre, à la croix, il y a des choses qui se sont passées, il y a des échanges qui ont été faites. Par la croix, nous avons le salut. Par la croix, nous avons la restauration. Par la croix, on dit quoi? Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons riches. À la croix, je peux déclarer la richesse. Toutes ces bénédictions qui sont attachées à l'œuvre salvatrice, lorsque je rends des excellentes actions de grâce, toutes ces bénédictions, tous ces bénéfices-là sont miens. Toutes ces bénédictions sont miennes et je peux les déclarer pour ma famille. En d'autres termes, lorsque je rends des excellentes actions de grâce pour ma famille à Dieu, toutes les bénédictions qui sont liées à Jésus, à la croix, vu que c'est lui notre sacrifice, vu que c'est lui qui a été crucifié à la croix pour nous, tout ce qu'il nous a promis par rapport au salut pour notre famille, toutes ces promesses qui sont liées par rapport à nos familles, ces bénédictions sont actives. Et on peut le vivre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, à la fin de le texte de 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit quoi? Rendez grâce à Dieu, car cela est la volonté du Père à votre égard. En quoi? En Jésus. À la fin, il finit par dire quoi? Rendez grâce à Dieu en qui? En Jésus. À cause de quoi? À cause de son sacrifice à la croix. Parce qu'il sait qu'à la croix, c'était un lieu d'échange. Toutes les bénédictions qui sont attachées, lorsque je rends grâce à Dieu, étant donné que je le rends en Jésus-Christ, en directement toutes ces bénédictions qui sont attachées, ma famille peut en bénéficier. Donc en ce matin, en cette semaine, je te donne les raisons de rendre grâce à Dieu, de rendre véritablement grâce à Dieu pour ta famille, de rendre grâce à Dieu pour ta famille. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu actives d'autres miracles, tu actives les promesses de Dieu pour ta famille. En le faisant, tu obéis à la volonté de Dieu. Et Hébreux 10, 36 qu'on lisait tantôt, puisque tu obéis à la volonté de Dieu, à cause de tes actions de grâce,
Dieu te récompense à cause du fait que tu as accompli sa volonté, à cause du fait que tu as obéi à sa volonté. Et la troisième raison, parce que je rends des actions de grâce à Dieu en Jésus, toutes les promesses qui sont liées à l'œuvre salvatrice, à l'œuvre de la croix, le salut, la rédemption, toutes ces choses qui sont englobées dans l'œuvre salvatrice sont miennes et je peux le vivre juste en rendant grâce à Dieu. Juste en rendant grâce à Dieu. Juste pendant les 15 dernières minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en écoutant ces différentes raisons que j'ai données, peut commencer à élever la voix et rendre grâce à Dieu? Peut-être que toi, tu es dans la posture de celui qui n'a rien vu. Ce n'est pas grave. Rends quand même grâce à Dieu. Rends quand même grâce à Dieu. Peut-être que toi, tu es dans la posture où tout va bien. Rends quand même aussi grâce à Dieu. Sois fait manifeste ta foi comme étant ce lépreux-là qui, lorsqu'il a manié là, il a constaté la guérison sur son corps. Il est revenu. Et au-delà de la guérison, il a vu autre chose dans sa vie. Il a vu autre chose dans sa vie. Au-delà de la guérison, à cause des actions de grâce, il a pu manifester autre chose dans sa vie. Peut-être que toi, tout va bien, mais que cela ne t'empêche pas d'élever ta voix et de rendre grâce au Seigneur. Peut-être qu'en le faisant, tu peux activer une promotion dans la vie de tes parents. Peut-être qu'en le faisant, tu peux activer une guérison émotionnelle, une guérison physique dans la vie, je ne sais pas moi, d'un membre de ta famille. Toi, rends simplement grâce en ce matin. 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 Oh, moi, je ne me tairai pas en ce matin. Au regard de ce Dieu, au regard de ce que le Dieu que nous cherchons ce matin peut faire, je choisis de lui rendre grâce. Oui, je choisis de lui rendre grâce en ce matin. Je choisis de lui rendre grâce. Oh, est-ce qu'il y a un adorateur qui peut élever sa voix? Comme c'est le prêtre qui est revenu, on dit il est revenu auprès, au pied de Jésus. Il tomba face contre terre. Il lui rendit des excellentes actions de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore revenir au pied du maître? Oh, depuis janvier, tu as reçu tellement. Tu as reçu tellement. Oh, peut-être que tu ne le vois pas, ce n'est pas grave. Mais reviens au pied du maître en ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour tomber face contre terre et dire, Seigneur, je te dis merci. Je te dis simplement merci. Avec des faibles mots, avec des faibles mots, peut-être que je le maîtrise mieux dans ma langue maternelle, mais je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, ô Dieu de gloire. Oui, je te dis merci, ô Dieu. Oh, alors entends mon cœur, Père. Alors entends mon cœur en ce matin, ô Dieu de gloire. Oui, mon esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue, ô Dieu. Entends ce chant d'amour qui bouillonne et qui monte dans mon cœur. Oh, de cet enfant que tu as racheté. Oh, oui, Seigneur, je prends un faible mot ce matin qui se résume en un petit mot qui est merci, Seigneur. Oh, pour te dire combien tu es merveilleux. Combien tu es merveilleux, ô Dieu. Pour ma famille, je te dis merci. Merci pour mes parents, les merveilleux parents que tu m'as donnés. Seigneur Dieu, on est prompt à se plaindre de tout ce qui ne va pas. On est prompt à se plaindre de ce que les parents font ou pas. Oui, même en tant que parent, on est prompt à se plaindre de ce que les enfants font de bien ou de mal. Mais en ce matin, Seigneur, je mets de côté ces choses pour te dire oui, merci. Merci, un parent, j'entends un parent dire de là où il est, merci pour ces merveilleux enfants que tu m'as donnés, parce que c'est une bénédiction de l'Éternel. Oh, j'entends un parent dire, merci pour ce fils merveilleux, pour cette fille merveilleuse que tu m'as accordée. Oh, cela démontre que ce sont les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oh, j'entends un enfant qui dit, merci Seigneur pour ces merveilleux parents que tu m'as donnés. Ils ont beau ce qu'ils sont aides. Ils ont beau être ce qu'ils sont, mais moi je te dis merci. Avec leurs défauts, avec leurs qualités, mais moi je te dis merci. Merci Seigneur. Merci. Oh, j'entends quelqu'un qui dit merci pour les frères et sœurs que tu m'as donnés. Merci pour ces membres de ma famille, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs. Oh Seigneur, tu es au-delà des disputes, au-delà des mésententes, Seigneur. Moi, je te rends grâce parce que ma famille, véritablement, c'est pour un but et pour la gloire de Dieu. Et je peux te bénir de ce que tu as un plan pour ma famille. Peut-être que je ne le vois pas encore. Peut-être que cela ne s'est pas encore matérialisé. Oh, mais je sais que, alors que je suis en toi, Jésus, alors que je suis en toi, je peux rendre des excellentes actions de
grâce en toi, Jésus. Alors que je le fais, toutes les bénédictions qui sont attachées à l'œuvre salvatrice, oh, sont miennes, sont pour ma famille. Et je peux te bénir, je peux bénir ton saint nom pour cela, oh Dieu. Oh oui. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour l'amour qu'il y a dans ma famille. Merci parce que tu rends encore cet amour, oh Dieu, de gloire tangible et palpable, et elle augmente véritablement. Oh, merci pour mes parents. Merci pour leur sens du sacrifice, oh Dieu. Merci infiniment, oh Dieu. Merci, Père. J'entends un parent prendre ce temps pour bénir la vie de ses enfants. Oh, j'entends un homme marié qui élève sa voix, qui prend le temps de bénir le Seigneur pour la vie de sa femme, de sa conjointe, et dire: Seigneur, merci. Merci infiniment, oh Dieu. J'entends un couple élever sa voix ce matin et dire: Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes le fruit de ta grâce. Oh, Shaya Lalabase, Maya Delebosha. Oh, nous bénissons ton nom, oh Dieu. Oh, alors dans mon cœur, oh, mon esprit qui te loue. Oh, est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui peut chanter avec moi? Entends le chant d'amour. Oh, un enfant racheté. Prendrai mes faibles mots pour te dire quelques merveilles tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, oh, est-ce qu'il y a une atmosphère de louange qui peut monter de nos lieux, là où nous sommes, dans nos chambres? Est-ce qu'il y a une atmosphère de louange et de reconnaissance? Oh, je le disais tantôt en introduction, que l'action de grâce, c'est ce sacrifice, oh, pour qui est personnel, qui relève de notre volonté personnelle également. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix, conscient de tout ce que le Seigneur a fait pour lui, et peut dire: Seigneur, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Oh, yade adarabasha. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh, ce matin, entends le chant d'amour qu'il y a dans mon cœur. Entends le chant d'amour. Oh, oh, enfant racheté, moi je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, alors adore-le. Adore-le, célèbre ses bontés. Adore-le de tout ton cœur. Tu as des raisons pour le faire. Tu as multiples raisons pour le faire. La liste n'est pas exhaustive au-delà de tout ce que j'ai dit. Il y a tellement de raisons pour le faire. Il y a tellement de raisons pour le faire. Alors fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Que ce soit volontairement. Fais-le volontiers en ce matin. Fais-le volontiers en ce matin. Que personne ne te pousse pour le faire. Que ça relève de ta relation avec ton Dieu. Oh, Shaila de Baïde, un enfant racheté. Oh, moi je prendrai mes faibles mots en ce matin pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, adore-le en toute liberté. Adore-le en toute liberté. Ce Dieu qui est merveilleux, c'est Dieu qui est merveilleux.
merveilleux, il en est digne, il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Parmi tant d'autres, ce Dieu qui est plus beau parmi tant d'autres, adore-le de tout ton cœur. Reviens à ses pieds, adore-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que tu t'es mis à apprécier ce Dieu-là. Alors que rien ne va dans ta famille à l'heure actuelle, les gens ne comprendront pas comment est-ce que tu t'es mis à pleurer devant sa face, à dire Seigneur tu es bon, tu es fidèle, alors que les gens autour de toi savent que dans ta famille pour l'instant c'est le chaos total. Mais toi tu sais le pourquoi tu le fais. Cela relève de la communion de ton Dieu avec toi, cela relève de ta communion personnelle, dans ton intimité tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu les fais. Les gens autour de toi te prennent pour un fou. Mais toi, tu sais pourquoi tu rends ces actions de grâce à Dieu. Rends des excellentes actions de grâce à Dieu. Oh, les gens, peut-être que ton colloque ne comprend pas pourquoi est-ce que tu t'es mis à le faire. Mais toi, tu sais pourquoi tu les fais. Parce que cela relève de ta communion avec ce Dieu-là. Tu sais ce qu'il t'a dit personnellement. Tu sais ce qu'il t'a dit en ce matin personnellement par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants, par rapport à tes parents. Tu sais le pourquoi. Peut-être qu'autour de toi, les gens savent que tu as l'habitude de te plaindre de ce qui ne va pas dans ta famille. Mais alors que tu t'es mis à rendre des actions de grâce, oh, même le monde des ténèbres ne comprend pas. Il se demande, mais cet enfant, il est fou ou quoi? Mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais en qui tu as cru. Oh, est-ce qu'il y a un adorateur ce matin qui peut aller au-delà de ce qu'il vit, au-delà de ce qu'il voit, et dire Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour ma famille. Oh, il y a une atmosphère de gloire en ce matin. Il y a une atmosphère de gloire en ce matin. Oh, les sensibles peuvent ressortir avec quelque chose. Chatale amandelebrosa. Oh, chayalebrosa. Oh, dans l'invisible, il y a quelque chose qui se passe. Dans le monde spirituel, il y a un embouteillage, il y a des choses qui se font. Oh, dont tu n'as pas forcément besoin de connaître. Mais toi, persévère dans ton action de grâce. Oh, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe en ce matin. À cause des actions de grâce, tu actives toutes les récompenses liées à l'action de Dieu, à l'œuvre de la croix. Tu les actives alors que tu rends des actions de grâce en Jésus. Ah, Jésus. Oh, le plus beau parmi tant d'autres. Le plus beau parmi tant d'autres. Yeshua. Alors, dans cette atmosphère, que tu peux entendre sa voix qui te parle.
pendant les minutes qui restent, est-ce que tu peux entendre cette voix qui murmure dans tes oreilles, qui vient et qui te parle encore et qui dit je t'aime, qui te dit je t'aime, mon fils, ma fille, je t'aime, ma fille, mon fils, je t'aime, ma fille, mon fils, je t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre cette voix ce matin? Cette douce rosée du matin, alors que tu dévances l'aurore, alors que tu as voulu, oh, que le Père aiguise encore ton oreille en ce matin. Entends cette voix qui te parle profondément. Le plus beau parmi tant d'autres qui se tient là où tu es, dans ton lieu secret. D'autres, il donne des instructions bien précises pour l'année qui vient. À d'autres, il donne certaines instructions bien précises pour les prochaines semaines. À d'autres, il illumine les yeux de cœur. À d'autres, il vient encore dire persévère dans la prière. À d'autres, il vient encore dire encore un peu de temps. À d'autres, il vient répéter ce passage que nous avons lu dans Hébreux 10, 36. Puisque tu as fait ma volonté, je t'accorde ces bénéfices qui sont liés. Alléluia. 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 Librement, pendant les quelques minutes, librement chez toi, tu peux poursuivre. Tu peux prendre un temps, 2, 3, 5, 10 minutes avant d'aller dans tes occupations quotidiennes. Tu peux prendre 15, 20 minutes et entendre encore la voix de Dieu qui te parle en ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Amen.